basalela bato na mokili. Jamais moto ya ou ton adon a mérita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à royon zambasala et son mama katena mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. A fungole la biso, et kouke kilo na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata et loko ya ofele et senga kakiter. Tout est grâce, tout est grâce. Soko zi invitation à mon konzo la te lamba ya fetie. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango lue, bolingwa nzambe pona bana bato. Ezango lue, makambo Yesu asala pona biso. Ezango lue, kokoma mwana nzambe. Ezango lue, oyo Yesu asala na biso. Afuta nyonso. Qui est là aussi? Le gentil papa, le joli papa en deux papillons rouges. Donc nous allons appeler sans plus tarder la famille Marie de Magdala. Est-ce qu'on peut les ovationner très fort? Merci maman Marie-Claude. Merci pour ta participation. Il n'y a rien dans jalousie. Il y a quoi de... Hey, ils ont coupé mon micro. Il n'y a jamais rien de... Ça, c'est la famille Tabitha. Aujourd'hui, là, je suis sur... on est même chose. On est même chose. Voilà. Donc, je pense que la révérente... Ah non, ça a changé. Ils ont tellement de pasteurs au sein de cette famille que ça a changé. C'est le révérend apôtre, prophète des nations. Cyril Lacouille, est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire pour lui? Il va vous édifier ce soir. Il va réveiller l'onction qui est en vous ce soir. Onction! Nous avions donné au départ le texte de la prédication. Cher membre du jury, est-ce que vous êtes à vos stylos et à vos feuilles de papier, s'il vous plaît? Ce pasteur, quand il marche, le son de ses pas réveille les morts. Quand il passe, son parfum simplement guéri de la sinusite. Est-ce que vous m'entendez? Et lorsqu'il va ouvrir la bouche pour prêcher, je vous assure que tous ceux qui avaient les mains sèches en leur tête fleurie et remplie au nom de Jésus. Amen. Nous allons l'écouter. Je te remets son amour. Le micro d'accord. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, bonsoir. Bonjour. Bonjour, pasteur. Allez. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça passe. Ce soir, je vais vous parler de la part du Seigneur. Je suis le pasteur Louis Cyril de l'église Bethesda. Amen. Alors, je vais prier parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie ce soir afin que tu parles à ton peuple, Seigneur. Que ta grâce déverse en ce lieu, Seigneur. Conduis-nous. Parle à nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions faire ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, il est un thème qui nous est donné. Thème. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 28,
précisément le verset 19. Le verset 19, que je lis rapidement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, c'est ce passage ce soir que nous allons méditer. Dans ce passage, il y a deux mots-clés auxquels nous pouvons prêter attention. Il y a le mot « disciple » et le mot « nation ». Alors, je vais vous donner la définition, la petite définition du mot « disciple ». Le disciple, on peut dire que c'est un apprenti. Le disciple, c'est un élève. Alléluia. Une autre définition, le disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître pour recevoir un enseignement. Alléluia. C'est quelqu'un qui suit un maître pour se faire former. Amen. Mais nous les chrétiens, nous sommes appelés disciples. Ça veut dire que nous devons être des chrétiens. Amen. Amen. Excusez-moi, la chair, ça glisse un peu. J'ai les problèmes. Amen. Alors, je vais vous définir également le mot nation. Quand on parle de nation, dans la Bible, il s'agit d'une race. Il s'agit également d'un peuple. Il s'agit des hommes. Alors, pour nous les chrétiens, être disciple, c'est appartenir à Christ. Alléluia. À travers ce verset, donc, le Seigneur nous demande de faire de tous les peuples de la terre des disciples. Alléluia. Amen. Le Seigneur, à travers ce verset, veut nous encourager à annoncer l'évangile au monde entier. La Bible dit que la pression est grande, mais il a peu d'oubliés. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi dans sa moisson. Le Seigneur a besoin de toi dans son église. Amen. Quand tu es à l'église, tu dois faire le travail du Seigneur. Amen. Quand tu viens à l'église, tu dois participer à tout ce qui se fait dans l'église. Amen. On ne vient pas à l'église pour calomnier. On ne vient pas à l'église pour suivre les gens. Mais on vient à l'église pour suivre Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous devenons disciples de Jésus, souvent nous sommes confrontés à des difficultés. Nous sommes confrontés à des attaques. Amen. Amen. Mais étant disciples du Seigneur, nous devons poser notre foi sur Jésus-Christ de Nazareth. Le disciple de son travail peut être humilié, mais il doit accepter. Alléluia. Souvent, nous partons faire des évangélisations et puis on nous jette des pierres, on nous rejette. Mais quand tu es rejeté, c'est déjà une victoire parce que Christ lui-même a été rejeté. Amen. Alléluia. À la croix, il a été rejeté. Il a été rejeté par les hommes. Amen. Alors, ce soir, je voulais encourager le peuple de l'Éternel à servir le Seigneur. Il faut servir le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Amen. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu sois disposé pour que les nations soient gagnées à lui. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous nous réveillons pour que la Côte d'Ivoire soit gagnée à Dieu, pour que nos frères palestiniens, aujourd'hui on parle des kamikazes, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris réellement qui est leur sauveur. Alléluia. Ils ont mis leur confiance en des faux dieux. Ils ont mis leur confiance en des dieux qui ne peuvent pas parler. Mais en réalité, ce sont des démons. Alléluia. Amen. Comment tu peux imaginer, comment tu peux concevoir
que quelqu'un doit mettre des pompes sur lui pour aller faire l'œuvre de Dieu et s'exploser pour tuer des gens. Mais frère, c'est parce qu'il n'a pas encore accepté réellement le Seigneur. Et alors, il doit accepter le Seigneur, c'est pas toi, c'est pas moi. Alors nous devons nous lever, nous devons vraiment faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alors, pour terminer, nous n'avons pas assez de temps. Je voulais vous dire que la moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Toi, mon frère, toi, ma soeur, il faut que tu fasses l'œuvre du Seigneur. Il faut que tu avances dans l'eau profonde avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Est-ce qu'on peut encore nous passionner? C'est le pasteur, apôtre révérend, prophète des nations. Cyril Puy, paraît que cet homme maestro, cet homme compositeur. Donc même quand il prêche, il a une voix mélodieuse. Je devrais appeler à mes côtés, ou bien je vais vers lui, parce que c'est une autorité spirituelle. Je vais vers le pasteur Esaïe, qui va bénir le repas, et nous allons continuer avec de la famille Marie de Magdala. Père, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Permets que nous puissions te répondre. Avec merci pour les mains qui ont perdu. Merci pour toutes ces personnes qui étaient à la tâche, Père. Merci parce que nous prenons maintenant le repas que tu nous donnes pour la seule gloire de ton nom. Amen. Merci, Pasteur. Chers hôtesses, vous pouvez faire, s'il vous plaît, assez rapidement le service. Régie, j'ai une voix qui porte assez, donc quand je récupère le micro, est-ce que tu peux baisser juste un peu le son? Et lorsque les pasteurs vont monter, eh bien tu vas remonter le son. Merci. Donc, nous continuons avec la famille Marie de Magdala dans leur sketch. Ils ont 20 minutes, mais je rappelle que pour la prédication, ils nous ont fait cette prédication en 8 minutes 56 secondes. Ça s'applaudit. Hein. Alléluia. La famille Marie de Magdala va m'avoir pour dire bonjour. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2016. Je vais vous présenter ma famille en une semaine. Marie de Magdala, dans les évangiles, est une disciple de Jésus qui le suit jusqu'à ses derniers jours. Les évangiles la désignent comme le premier témoin de la résurrection du Christ, qui est chargé d'en prévenir les apôtres. C'est le nom de ce personnage féminin de la Bible que porte ma famille. Elle va vous présenter son sketch intitulé « La fidélité ». La fidélité est un thème qui a été débattu déjà ici. Et ce thème fait partie des thèmes de l'année 2015. C'est de ce thème-là que ma famille va vous parler tout à l'heure dans son sketch. La chaise, tu peux me faire la chaise. La On a besoin d'un deuxième micro. Ah, d'accord. Pourquoi tu as l'eau marché?
Non, encore là. Mets tes cheveux là. Tu ne peux pas t'asseoir. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, à ta nuit, tu n'as pas mis ta grosse jupe là. C'est lavé. Ah, d'accord. Elle ouvre la porte. Elles sont venues. Mes jolies bébés là. Bonjour maman. Ça va ma fille? Oh, tu es belle. Hein? C'est ça la femme. Mais vous êtes mignonne. Hein? C'est ça, on dit à quoi? C'est pas celle qui a dit dans la cuisine là-haut. Oh, dame caca, le tcha. Maman, il y a pas au menu aujourd'hui. Hein, sauce graine, viens là. Elle fout tout. Hein? Elle est grosse, il y a ma grosse bière. Attends, tu vas voir. Hé, où est bien là? Hé, hé, hé. Toi, faut payer bien là, viens voir. C'est quoi ça? Fais voir ça. C'est quoi ça? Je mange pas le pâté à l'immobilier, moi. C'est quoi ça? Bibi! Mon enfant est tombé au. Tête talon là. Pardon. Bon. Hélène. Ah, d'accord, moi j'ai sorti un peu. Je viens après. Allô, maman. Tu dis quoi? Mets-moi dans ma micro. Ah, d'accord. Bon, moi je sors un peu. Je viens après. D'accord. Il ne faut pas sortir. Il va toujours s'y faire des évangélisations. Il ne faut pas sortir. Jésus qui vient jamais, on ne le voit pas là. Toujours c'est toi qui sort. Il vient jamais avec quelque chose, jamais par l'argent. Ta soeur a toujours bien l'argent. Mais toi qui viens jamais l'argent, comprends-tu dans ce cas-là. Toujours vous, monsieur. Voilà. Mon frère, ma soeur, quand tu entends ma voix, donne ta vie à Dieu. La Bible nous dit qu'il y a ce chemin pour aller au ciel. C'est par Jésus seul. Toi qui entends ma voix. Je l'ai même là. Viens en Jésus. Et tu seras heureux. Donne ta vie à Jésus. Ton Dieu, ce que tu cherches. Ton Dieu, il est comme Dieu. Il y a la paix. Il y a la joie. Donnez bon vie à Jésus. Donnez bon vie à Jésus. C'est lui seul qui peut vous délivrer de tout ce que vous cherchez. Mademoiselle, s'il vous plaît. Puis-je avoir un peu de temps? Bonsoir. Bonjour. Ah non, mais dis-moi. J'ai l'impression que ça paraît difficile, hein. Vous avez dit longtemps que vous êtes dedans, prêcher, parler comme ça aux gens, n'importe comment. Oui, j'ai un peu de temps, je viens parler de Jésus. Ah bon, hein? Et c'est rentable ça, parce que vous êtes rémunéré et tout ça? Non, excusez, au fait, non, je voudrais avoir un vote contact, vous êtes un peu prêché, voilà, juste avoir... Oui, je sais l'église, mais au fait, je veux vous rencontrer en fait. Échanger, prendre un pot. Comment? Ok, ok, il n'y a pas de problème. Hélène! Oui, maman. Hélène! Maman, oui, maman. Hélène! Oui, maman.
Tu as préparé quoi? Il n'est pas parlé. Oui, il t'a dit ça. Faut pas reculer. Hein, que... Tu as reculé. Hein, qu'est-ce? Mais tu étais où tout le temps? Moi, évangélisation. Tu allais quoi? À quoi d'évangélisation? On mange pas aussi. Elle est où, mais elle est. Jésus. Toujours Jésus. On ne le voit pas, on ne le connaît pas. Et puis mes filles, elles s'envoient, elles envoient l'argent. Et puis toi, tu manges. Toi, tu n'envoies jamais l'argent. Jésus, Jésus là, il ne te donne pas l'argent pour venir manger. Hein? Il y a personne dans cette maison. Mais il n'y a pas quelqu'un pour coordonner tout ça, il n'y a pas quelqu'un pour leur dire de descendre tout ça. On va manger, on va manger. Allô? Allô? Oui, il est rendez-vous. C'est pour quelle heure? 18h. Ok. C'est après, c'est bon, parti. C'est pas trop. Hey. Pardon, c'est vrai, il n'y a pas. Je mange pas. Allô? Ok, tu m'attends. Je vais manger un peu de routine là. Oui, ok. Oh, ok. Oui, maman. Quoi, tu dis ça tout à l'heure? Ok, tout à l'heure. À ce soir. Oh, allez, au pop, ok. Maman, je mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Tu peux passer. Mon frère, les temps sont mauvais. La Bible nous dit que le Fils de l'homme reviendra. Si tu entends ma voix, il est temps de faire la paix avec Jésus. Lui ne sait l'heure quand il viendra. Dans ta vie à Jésus. Le micro est où? C'est moi, il vient. Bonsoir. Bon, je fais un peu trop, mais c'est là parce que moi qui étais là hier, En fait, non, en fait, plein de moi, ou bien s'il y a quelque chose sur moi qui vous fait fuir, c'est ça. Non. Je vous ai dit, je vous donne mon adresse. En fait, bon, ok, je vais être bref. Parce que je fais des affaires, j'ai pas trop de temps de promener et tout ça. Voilà, là j'ai gardé ma rover là pour vous dire franchement que voilà, je vais faire du sourire avec vous. Vous m'avez frappé à l'œil, je vais aller rapidement pour ne pas trop traîner les pas. Comme moi, je pars demain. Je sais pas dans votre église comment ça se passe, mais je voudrais que vous soyez ma femme. C'est quoi votre nom déjà? Ok, vous partez à la maison. Bon, d'ici là, on est en même temps pour précipiter les choses comme moi, je dois partir et tout.
Voilà. Ça s'appelle qui chez vous? Et vos parents et tout le monde sont réceptifs, bien sûr. Qui est parti, c'est Jésus encore. Qui est parti, c'est Jésus encore. Hein? Viens. Qui est parti, c'est Jésus encore. Viens encore. Viens parler dans ton oreille. Qui est parti, c'est Jésus encore. Jésus. Tout ton Jésus là, je le vois. Jésus. Jésus, ça finit pas. Hein? Je suis pas venu ici. Tu es venu ici. Tu connais qui? Le monsieur, là, c'est lui. Ah. Bonsoir, madame. Bonsoir, joli garçon. Merci bien. C'est vous la mère de cette charmante demoiselle? Ah, d'accord. Bon, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Je l'ai aperçu pas mal de temps, je l'ai analysé et tout. En fait, je suis en train de dire que je l'ai analysé il y a pas mal de temps, je l'ai compris hier. Et donc, voilà, et comme je dois rentrer, il y a une certaine affection qui s'est liée entre elle et moi, et je voudrais que ça aille plus loin en fait. Voilà. En fait, je voudrais qu'elle soit ma femme. Je voudrais faire d'elle ma femme. Qui ça? Votre fils. Et elle? Enfin. Merci bien. C'est pas de qui tu parles, il y a beaucoup de filles ici. Est-ce que j'autre? Il y a dedans, tout ça là, tout ce que tu veux, il y en a. Tout à fait, j'ai fait moi-même le constat, mais pour l'instant, je crois que c'est pour l'Anita. En fait, bon. Faut pas te presser. Ah, d'accord. Hélène. Bibiche. Stick. Ah, venez. Ok. Stick. Ma fille, ma belle fille, Yael, et Bibiche, Bibiche de Lova. Okay. Voilà. Et c'est Sony. Sony comme Eric, Sony Erickson. Ah, d'accord. Mais tu vois comment elles sont belles? Oui. Voilà, les voici. D'accord. Mais tu bon, qui ça? Pas ta jupe le corazon, la vieille ici, Hélène. Voilà. Mais elle, c'est pas ça. Et puis bon, tu vois. Et à la maman aussi. Bon, en fait, j'ai vu tout ça. Vraiment, vous êtes superbement belle. Et voilà, bon, en fait, si je suis venu ici, ça fait bien de connaître la famille. Mais en fait, je disais ton pot, ça fait bien de connaître la famille, mais c'est pour elle, en fait, je suis là. Je voudrais voir comment ça se passe pour les dors et tout ça. Parce que là, pour votre Anita, c'est bien elle, votre fille? Non, plus souvent, c'est elle. C'est elle que mon cœur a choisi et comme il y a pas mal de liens qu'on a tissés, je voudrais aller. Voilà. Hélène, Hélène, ah, monsieur l'a dit, il t'aime beaucoup. Ah, je ne sais pas, évangélisation, monsieur l'a dit qu'il veut te marier. Hein? Mais pourquoi tu fais ça? Donc ton évangélisation là, tu t'en caches pour vous, cacher pour vous voir là-bas. Et puis aujourd'hui là, comme tu lui as dit de venir me voir là, c'est ça qui fait en être, tu n'es pas au courant de quelque chose. Non, donc tes soeurs, elles sont plus sérieuses que toi. Une check in et peine à nuit. Maman, c'est un saint. Le Messie en vivant. Mon Dieu, Jésus de Hélène, dans l'œil, il est vrai. Bon, en fait, je suis là. Je m'arrive ici. Vous avez des problèmes, mais moi, je dois rentrer. D'ici, je pars déjà en Belgique et j'y rentre à Denmark pour faire des affaires. On ira se reposer en France si vous voulez bien. Je voudrais déjà vous laisser peut-être 3 ou 5 millions pour préparer ces choses et tout. Voilà, et comme je suis un peu pressé, voilà, c'est le temps qui me fatigue un peu. Voilà. Donc, merci bien et au plaisir de nous revoir. Toi, tu dis quoi? J'ai dit, je suis enceinte. Oui. Ah! Tout ce que tu as là, c'est le résultat, il y en a là. Maman, il était. Toi-même, deux jours, là, tu es pas souffert.
tu as quoi? Tu as quoi? Tu n'es pas parti à l'hôpital. Il n'y a pas l'argent. Ils ont fui les gars là. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire? Moi, je suis morte. Tu n'es pas morte. C'est quand tu as donné là? Dans l'hôpital, ça. C'est fini. Il n'y a plus Hollande. Ouas. Je suis malade. Tu es malade. Ah, Hélène est bon. Non, Hélène, Jésus l'a indiqué. Hélène, elle est bien. Hélène va venir. Elle va prendre au moins une d'entre vous pour partir en France. C'est elle. C'est Hélène qui est mon enfant. C'est elle que j'aime beaucoup. Vous là, vous ne foutez rien matin, midi, soir. Vous mangez, vous vous promenez. Petit, juste. Tu ne manges pas. Regarde comment tu es devenu. Cigarette ici, poisson ici. Hein? Hélène, Jésus, indiqué. Que Hélène va venir. On partit Jésus aussi. Mais maman est là. À l'hôpital, faut t'asseoir ici, elle va venir. Elle va te voir pour partir. Elle a déjà que. Il y a peu hollandais, tu n'as pas eu de peu hollandais. Hélène va venir. Hélène s'en va en France. Oh, Hélène, mon enfant. Là, Hélène, c'est ma fille, là, je l'aime, elle est bien. Toujours celle qui pue pour toi, elle fait sauce graine pour moi, Hélène. C'est la seule qui apprend. Vous deux, hoche. Toi, tu es enceinte. Oh, maman, je suis enceinte. Bibi? Oh, Dieu, Jésus d'Hélène, là, c'est bon, hein. Tout dit, viens, on va partir à l'église, vous partez pas. Évangélisation, Hélène, viens, Hélène, viens où, viens. Hélène. Oui, maman. Hélène. Tu t'en vas. Hélène. Tu t'en vas. Hélène. 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 Pour prendre une de tes petites, tu n'as pas dit. Hélène, c'est mon bébé, non? Oh, Hélène, c'est mon bébé, non? Je vais faire un peu de temps. La Bible nous dit que c'est Dieu qu'on adore. Sa parole. Donc, donnez-vous aussi comme âme à lui et il fera de grands choses. Pasteur, faut appeler pasteur. Allô, pasteur Robert. Tu passeras chez mes parents. Tu vas retenir ma maman et mes soeurs. Puis je pars maintenant. Voilà, le repas maintenant. La famille, je dirais même 35 minutes, mais c'est pas trop de leur faute parce que la secrétaire qui a saisi le chronogramme n'a pas tenu compte des répétitions qui avaient été faites et le mot d'ordre n'avait pas encore été donné, comme quoi il fallait respecter les 20 minutes. 35 minutes. Mais je t'en